Salut mes amis, bienvenue à la maison. Au programme, ce sera les tendeurs de poulet épicés à ma façon. L'élément principal sera bien sûr le poulet bio de Charlevoix, deux poitrines désossées sans peau, point net 700 g. Pour le piquant, piment oiseau, les voilà. Et mon épice issou. Pour les nouveaux, allez voir ma vidéo épice issou. Et pour la panure, il y aura mes féculents qui sont en 1000 litres, c'est-à-dire farine 400, fécule de maïs 100, 400, 100, 500, sans sel. Et bien sûr, les œufs, ils sont bio aussi. Et pour la moutarde de Dijon, elle sera pour la trempette et la marinade. Première étape, le ménage. Moutarde au frais, les épices à côté, les œufs au frais, les piments, c'est pour après. On passe au poulet. Gants de protection, antidérapant pour la sécurité. Poitrine, table. Et on coupe en lanière, pas trop épaisse. Ça ira plus vite à cuire. La lanière dans le bol. Le poulet dans le bol. Couteau, planche, plonge. La main est revenue de la plonge, le poulet comme ça, moutarde, une bonne cuillère, cuillère à la plonge, mais elle reviendra, moutarde au frais. Épices issou, une bonne cuillère à soupe. Donc, comme je l'ai dit, ma main est propre, on y va, et on mélange. Tourne et retourne, une fois bien mélangé, c'est fini. Le poulet dans le sac recyclable, le poulet ira au frais, pour 4 heures. Donc la main aura le temps d'aller à la plonge. Il y aura beaucoup de mise en place durant la marinade. Donc on commence par la trempette. Le bol comme ça. Puis mon oiseau 3. Couteau rouge bien sûr. On coupe grosso modo. Puis mon oiseau ici. Le bol avance. Un œuf. Coquille plonge. Moutarde. Cuillère jaune. Une bonne cuillère. La cuillère à la plonge, mais elle reviendra. Machine miracle. On mélange. Huile végétale. Celle-ci est d'arachide. On monte. La consistance est style trempette. Donc ce coup, super nickel. La machine à la plonge. La trempette ira au frais. Mon huile de la friteuse a été utilisée plusieurs fois, donc il y a des impuretés. Je vais la filtrer à chaud, ça sera plus fluide pour le filtre. L'huile est tiède, impeccable. Feu éteint, le chaudron comme ça. Du chinois et un filtre à huile comme ça. Ces filtres on les trouve dans les magasins d'équipement pour restaurant. C'est du genre filtre à café mais différent. La friteuse, on l'avance. Louche, à chaque fois sécurité. Et on y va. En fait d'avoir chauffé, ça facilite le passage de l'huile dans le filtre. Le panier à la plonge. Louche, plonge. Et on y va comme ça. Et on attend environ 5 minutes que l'huile filtre à son rythme. On tourne et retourne. L'huile est passée à celle de sécurité à la plonge. À ce stade-là, on fait le transfert de l'huile. Petit wok à fond plat pour la sécurité. La louche est revenue. Donc vous voyez très clairement que mon huile est très claire puisque le fond du wok est blanc. Vous voyez bien que mes friteuses ne sont pas des friteuses comme telles, ce sont des choses que j'arrange. Thermomètre à bonbons, on l'insère comme ça, il est réglable. Impeccable. L'huile c'est pour après, on passe à la farine. Bol comme ça, farine 400 ml, fécule 100, épices issou, une bonne cuillère à soupe. Pour les nouveaux, allez voir ma vidéo épices issou. Petit fouet, on mélange tranquillement. Le petit fouet c'est fini, la farine en réserve. À ce stade là, on passe aux œufs. Bol comme ça, puis mon oiseau 4, couteau rouge bien sûr, en petit morceau. En fait, ça devrait une chance à la machine miracle. Et puis mon oiseau dans le bol, un peu de sel, on passe aux œufs, on va en mettre 4. 4, le compte est bon. La machine miracle est revenue de la plonge, machine comme ça, et on mélange. Pour la machine miracle, c'est fini pour la journée, il ira se reposer. Nous sommes maintenant opérationnels, les plats comme ça, la farine dans le grand, et les œufs dans le plus petit. À ce stade-là, je préchauffe la friteuse en veilleuse. Le poulet a bien mariné, le sac de recyclage au recyclage, le poulet comme ça. Ma main droite a fait 4 allers-retours à la plonge, donc elle est propre. Poulet comme ça, de la farine. On secoue. On resecoue. On égalise. Voilà, terminé. Le bol à la plonge, tourne et retourne. Le poulet dans les œufs. On secoue. Dans les œufs, on fait un tourne et retourne. Poulet dans la farine. Tourne et retourne. Poulet dans la plaque. La main a pris du volume, elle ira à la plonge. Ma plaque est petite, on change.
c'est fini, on égalise et le poulet retourne dans la farine. On recouvre, on tapote, on s'assure que le poulet est bien fariné de chaque côté et on réserve. Et la main ira encore à la plonge. Ma fouetteuse est à 180 degrés Celsius, pince le poulet dans l'huile. Chronomètre. Après une minute, il devrait être prêt. Chronomètre, on éteint et on égoutte. Donc pour le temps de cuisson, c'est une minute. Deuxième service, le plat à la plonge. Pince, on remet tranquillement. C'est parti pour une minute. Après une minute, feu éteint. Contrôle de la qualité du poulet comme ça, couteau jaune, coupe comme ça. Super bien, il est très bien cuit et encore un peu juteux. Mes poulets sont très croustillants et on graisse. Un dernier. Bien entendu, mon huile sera encore refiltrée. La trempette. Les Mexicains veulent goûter. En effet, c'est froid mais chaud. Maître Hôtel, les tendeurs de poulet épicés de 55 sont prêts en élève. Et merci à vous qui me suivez au Chili et partenaire. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.